putain. Extreme. Bon, ça y est, là on quitte la vallée du Sarapiki et on va maintenant vraiment commencer à un peu explorer. Sur la route, on va sûrement croiser beaucoup de rivières. Le but, c'est de, quand on voit une rivière avec de l'eau, on va regarder les images satellites sur Google Maps. Donc là, sur la route, on s'est arrêté, on a vu une base de raft. Donc on s'est dit, on va poser des questions. Ça dit quoi sur... Alors, ça dit qu'ici, c'est du classe 2-3. Ah. Et que juste au-dessus, il y a un barrage, donc il n'y a pas de portion navigable autre. Et que le mieux, c'est d'aller côté Pacifique. C'est parti. On a trouvé une petite cabane, du coup, là, pour passer la nuit tranquillement au débarquement, au pilote débarquement, en plus de la Rio Barranca qu'on va faire demain. Donc on a la nuit et la journée demain, on peut laisser nos PC et tout en sécurité et pas dans la voiture, comme ça, ça nous rassure un petit peu. Donc là, on regarde un peu la rivière pour demain sur Google Earth. On a un autre embarquement, notre débarquement ici. Et entre les deux, c'est freestyle. On est ultra posé là. On peut faire à manger, on a une douche, on a une maison quoi. Mais on a surtout du gros son. Et en bas, juste en bas là, il y a le Rio Barranca du coup. Et c'est ce qu'on va faire demain. Donc c'est bien, on va débarquer ici. Là, on est parti regarder en drone, voir ce qui nous attend. Dans quelques mètres. On a deux informations sur la rivière, enfin deux personnes nous ont parlé de la rivière, deux locaux. Il y en a un qui dit qu'il y a des chutes entre 3 et 5 mètres sur ce parcours. Et l'autre, il nous a dit que son frère a descendu la rivière en pneu, enfin en tubing quoi. En chambre à air peut-être, gonflé, j'en sais rien moi. C'est pas trop quoi en penser, on a mesuré du dénivelé. Ça a l'air d'être un petit peu pentu mais... Ce qu'on a vu au drone pour le moment, ça a l'air d'aller. Après, même avec une chambre à air gonflée, s'il y a une chute de 15 mètres, tu peux sauter à côté de ta chambre. Il n'y a pas de souci. On se fie à notre instinct et à ce qu'on a vu pour le moment et puis au dénivelé qu'on est censé avoir sans se faire de faux espoirs. Pour finir une descente. Une petite piscine. C'est vraiment classe. Vraiment, vraiment beau. Bon, c'est tellement une pure section, cette basse Barranca, que on va refaire un petit deuxième lap avec Paul. Raph nous a très aimablement fait la navette. Super, et c'est reparti. Je pense que ça va nous prendre 30, 40 minutes, même pas. C'est vraiment que des bouffes hyper propres, classe 3-4. Une folie.
Donc là, on est arrivé au Crocodile Bridge et on voit déjà des gros crocodiles en bas là. On allait naviguer sur une rivière, un affluent de cette rivière du Rio Grande, mais on nous a dit que c'est pas une bonne idée, la population de crocodiles elle est beaucoup trop élevée. Du coup, voilà, là on a confirmation en bas là qu'ils existent bien dans cette rivière quoi. Et ils attendent de bouffer des kayakistes. Alors voilà les gars, notre nouveau spot. On a rejoint nos potes suisses. Là il y a Lars. Ah. Unfortunately, he had a. Dislocated my shoulder, yeah, so no paddling for me. So right now it's our new spot. Ça a l'air d'être vraiment cool. On va poser des hamacs ici au moins une nuit et je vais essayer aussi d'aller surfer, ça peut être cool. Il y a des fois où les vagues elles sont vraiment très grosses. Et là, regardez un peu la gueule de mon bateau. C'est rempli de sable. Et je pense que mes narines aussi là, c'est assez incroyable. Ah non, pas encore. Bon, après un petit surf en mer où on s'est bien fait défoncer le trou de balle, on va se faire un petit lait de coco là. On vient de prendre juste de l'arbre. Juste là, dans l'arbre. Ouais. Ok, alors là on va vous apprendre comment couper une noix de coco. Ok, donc on fait un bon trou. Ouais, c'est bon, c'est tout ça là, voilà. Là on va taper un gros trou avec la machette. Ok. Wouah. Là voilà, là la côte elle est ouverte là. Ça va être chier. Nice. Aujourd'hui aussi, Rio Naranjo, on a mis 4 bateaux sur le toit pour prendre la route de terre. Ça va être compliqué, mais bon, on va essayer de le faire quand même. On verra bien. En plus, on va être 5 dans la voiture, donc ça va. Voilà, c'est avec le 4x4, Inch'Allah, ça marche. Yes! Yeah, that's shit. Oh putain! Il y a un peu d'eau qui est rentrée dans la caisse. C'est un peu sportif, mais bon, on va y arriver là, on arrive au bout.
Extreme.